L'union fait la force, a-t-on coutume de dire. Ainsi, le mouvement patriotique du salut et 103 partis politiques ont signé un accord. Un engagement qui permet au MPS et ses formations politiques d'accompagner le candidat du parti rassembleur, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Par le biais de cette date du 9 mars 2021, les alliés du MPS veulent donner une crédibilité, un engagement et confirmer leur fidélité au candidat du consensus, Idriss Déby Itno, pour prouver à la majorité présidentielle qui sont les partis signataires. Maloum Lobodé les a cités un à un. Désormais unis pour battre campagne afin que le candidat investi le 6 février lors du 9e congrès du MPS, qui est le maréchal Idriss Déby Itno, puisse remporter la victoire au premier tour le 11 avril prochain. Salé Bourman, représentant du comité chargé du lancement du meeting qui aura lieu le 13 mars, appelle tous ses partis à s'investir davantage, mais aussi et surtout mobiliser leurs militantes et militants d'être présents à ces rendez-vous. L'heure n'est plus au discours, mais à la concrétisation, disait le secrétaire général du MPS, Mohamed Zen Badar, en même temps directeur national de campagne du candidat du MPS, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Sous-signé, président et secrétaire généraux des partis politiques signataires de la déclaration commune de soutien ci annexée. Décidons ce jour, 9 mars 2021, de soutenir la candidature du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, investi par le mouvement patriotique du salut lors de son 9e congrès extraordinaire tenu le 6 février 2021. Adhérer au programme politique proposé par le candidat du consensus. S'investir sur le terrain afin d'assurer la victoire du candidat du consensus Idriss Déby Itno à l'élection présidentielle d'avril 2021. Participer à la gestion des affaires publiques en cas d'élection du candidat du consensus à la magistrature suprême. Maintenir un dialogue permanent avec le mouvement patriotique du salut MPS pour une bonne coordination des actions et la consolidation du partenariat politique en perspective des autres échéances à venir. N'Djamena, le 9 mars 2021. Au nom du MPS et de la Direction nationale de campagne, je salue et je félicite les partis qui nous ont rejoints. Mais je félicite et je remercie surtout la fidélité de mes camarades partis politiques de l'Alliance depuis déjà quelques années. Pour le maréchal Idriss Déby Itno, notre candidat, vous n'avez jamais failli. Votre fidélité durant tout ce mandat qui vient de finir n'est pas à démontrer. Je vous en remercie et vous en félicite et je crois que nous ouvrons une page nouvelle. Nous devrons gouverner ensemble. Mais pour gouverner ensemble, nous devrons gagner et bien gagner. Soyons des partis responsables, soutenant un candidat qui a fait ses preuves, soutenant un candidat qui a un projet de société, soutenant un candidat qui a un programme qui établit exactement ce que nous voulons, ce que le peuple veut. Dans ces conditions, pour qu'on gagne, nous avons besoin de nous mobiliser, nous avons besoin de nous dépasser, de nous entendre, de faire tout dans la solidarité, dans la cohésion, dans la compréhension, pour qu'en donnant un uppercut, les autres sont KO et qu'on gagne au premier tour. Au premier tour. Au premier tour. Au premier tour.